premier assaut. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait... qu'il attend. J'y comprends rien. Aloy, tu es là. Tu veux que je te laisse? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy... Cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien, on se voit à la porte nord. Il y a quelque chose qui le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner, il se trompe. Ah, ça m'écorche! L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Deux jours. Deux jours et j'aurai mes réponses. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau.
Ah, oh, très utile. Thank you.
Des explosions et des cris hors de l'étreinte. Je me demande ce qui se passe. Tout est clair et visible sous la pluie. Heureusement que je suis banni, ça m'évite de devoir parler à ces crétins. Les plusieurs veilleurs m'ont repéré. Il y a une charnière d'adhérent. Je vais aller voir Karst, j'ai besoin d'un lance-câble. Je ne vois personne dans le coin. C'est sans danger. À mon avis, il doit mourir. Et voilà. Il a l'air nerveux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Non, ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Je croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête.
Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui? On aurait pu croire. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. C'est toi ma cliente préférée. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à la prochaine.
très utile. Qui continuerait.
J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Bien s'il me cherchait pas. Le voilà. Aloy, tu es là. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok ? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost. Mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder, toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy ! Je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura. Je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu semblais avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui. En effet. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une paria.
Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Suis le sentier. Ce n'est pas loin. La maisonnette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça ? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Il sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous ? Pourquoi les braves de la tribu ne l'attrapent pas, cette machine ? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce ne sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudente. Pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie. Mais combien ils étaient ? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Le vaincre. Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seule. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends ? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Thank you.
l'a vu. J'ai de la chance. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Aloy. La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces Dancy, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirai. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. On se voit au cœur de la mer. C'est ça.